t'es perdu François là. Je suis complètement perdu dans la glace. Ah, ça y est, j'ai retrouvé ma route. Comment ça se passe, Nico, la navigation là? Il y a beaucoup de blanc autour de nous. Pas assez de bleu et je crois que ça va durer un petit moment comme ça. Donc voilà, bah, on va se relayer à la barre, mais ça va être un peu compliqué, je crois. Bon, tu cherches un passage, Nico, là? Ouais. C'est une suggestion pour moi? Ouais. Là, j'ai trouvé un passage en eau libre. Ça consiste à partir sur la droite, là, à faire le tour du glaçon qui est là, là, et à revenir là. Et puis, si tu sais pas où aller, après, bah, tu refais le tour du glaçon. Impeccable. Je pense qu'on peut tenir une moyenne de 1,05. À l'aise? Ouais. Sans toucher de glaçon. Comment dire, je sais pas du tout où aller. Ah, je vais là-bas. La cabine, hein. Donc sur le casque. Bah, ben, on va faire la peinture du mouillage. On n'est pas bloqué, mais. Regarde, Nico dit que ça passe. Ça passe. C'est un labyrinthe le merdier là. Ouais là ça commence à être difficile d'avancer là. On a fait un nœud de moyenne sur la dernière heure. Donc on va vraiment pas vite. Et c'est assez surprenant de se dire que les brises glaces vont à la vitesse de 10 nœuds là-dedans. Là. Et nous on est bloqués. Et là, par rapport à la carte des glaces, on est dans quoi? Je crois que la carte des glaces était un peu optimiste. Normalement, on était dans de l'eau plutôt libre. Et en fait, on se retrouve plutôt dans du, c'est quoi, c'est du 9 dixième, quoi, en gros. Donc, on ne sait pas du tout ce à quoi on s'attendait, en fait. Bon. On pensait aller un peu plus loin dans de l'eau libre et en fait, on se retrouve bloqué là pour le moment. Regarde, je pense qu'on va être encore plus sur la gauche, regarde. Ouais. Non, ça va bien. Ça va prendre là sur l'arrière. Ouais, tu crois? Ouais. C'est le garage à vélo. Nicolas, tu peux m'expliquer combien de tentatives il y a eu? Oh, une petite dizaine là. Et on finit toujours au même endroit, c'est parfait. Mais on y arrive doucement là. Ça y est, on est en olive. Ok. Ça va bouger, je dois essayer quand même.